Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Petit problème de batterie. Il te reste 66%. Alors, petite astuce iOS iPhone par rapport au problème de batterie. On va voir ensemble comment créer un petit raccourci et ne plus jamais manquer de batterie. C'est parti. Il te reste 66%. Batterie en tête. On va voir ensemble donc une petite astuce iOS sur iPhone. Si vous rencontrez par exemple des problèmes de batterie tout au long de la journée, si vous voulez être sûr d'avoir le bon niveau de batterie, eh bien je vais vous montrer comment ça se passe pour créer derrière votre iPhone un double tap ou un triple tap et avoir votre niveau de batterie pour que votre iPhone puisse vous dire vocalement votre niveau de batterie. Et ça, c'est vraiment super cool. D'ailleurs, cette vidéo, je la dois à Verboz, un TikToker et un YouTuber. Vraiment pas mal, allez voir sa chaîne, Verboz, V-E-R-B-O-2-Z. Merci à toi Verboz, et moi, maintenant, je fais une vidéo accessibilité. Donc si vous aimez les vidéos astuces iOS iPhone, n'hésitez pas donc à vous abonner pour continuer à suivre la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications et être parmi les premiers à recevoir la vidéo sur votre iPhone. C'est parti. Alors, on se rend tout de suite sur l'application Raccourci. Raccourci. On l'ouvre. Une fois que vous avez ouvert Raccourci, vous partez complètement en haut à droite et vous allez sur... Créer un raccourci. Créer un raccourci. Vous le validez. Créer un raccourci. Une fois que vous êtes sur Créer un nouveau raccourci, vous avez cette fenêtre. Vous pouvez donc rechercher ce raccourci tout en bas sur la zone d'édition. Rechercher App Sélection. Vous allez donc sur la zone d'édition tout en bas de l'iPhone. Rechercher App Sélection. Rechercher apps et actions, vous le validez. Et là, maintenant, vous tapez, vous allez vocalement demander obtenir niveau de la batterie. Insertion de obtenir niveau de la batterie. Une fois que vous avez fait ceci, normalement dessous, vous avez une phrase qui dit obtenir le niveau de la batterie. Que vous validez tout de suite, double tap. J'ai tes batteries, les valent ajouter au raccourci. On a déjà presque fini, les amis, c'est cool. Alors, maintenant, une fois que vous avez inséré ceci, vous allez dessous sur le bouton « Ajouter une action » que vous validez tout de suite et tout en haut sur la zone d'édition « Rechercher, App Sélection, rechercher ». Vous allez rechercher et vous allez demander, vous allez valider ce champ de recherche et vous allez donc taper ou dicter, énoncer le texte. Insertion de énoncer le texte. Tout de suite, dessous, vous avez la fameuse phrase qui dit « Énoncer le texte, bouton ». Énoncer le texte que vous validez. Et un texte ajouté au raccourci en dessous de l'obtenu. Donc, vous avez ce genre de raccourci. On a pratiquement fini, les amis. Franchement, c'est le top. Donc, une fois que vous êtes entré dans cette troisième étape, vous revenez sur énoncer le texte. Action énoncer le texte. En tête. Vous revenez donc sur l'action énoncer le texte. Énoncer niveau de la batterie. Action disponible. Et ici, c'est important. C'est très important. Vous devez donc entendre action disponible. Vous allez donc ici faire glisser un doigt pour les utilisateurs de VoiceOver. Modifier texte niveau de la batterie. Et on va avoir modifier texte niveau de la batterie que l'on valide tout de suite. Ici en bas, c'est ouvert un tiroir. Par rapport à ce tiroir, on va donc se positionner sur le clavier qui est, si vous continuez à pitcher vers la droite, en afficher plus, ajouter une action, afficher le clavier, bouton. Vous aurez donc le bouton afficher le clavier. Que l'on valide tout de suite. Afficher le clavier, niveau de la batterie. Le clavier vient de s'afficher. Donc, on est dans cette fameuse phrase. Il va falloir se mettre en début de cette phrase pour mettre la phrase « Il te reste ». Et ensuite, on ira à la fin de la phrase pour mettre « pourcentage ». Car sinon, si vous faites le script tel quel, il vous dira que 86, 59, si vous êtes à 59 ou 86. Alors, on va aller en début de phrase. Modifier. Décrire les items. Modifier. Action. Caractère. Mot. Énoncer. Virgule. Niveau. De. La. Batterie. Niveau. Donc ici, on doit être normalement en début de niveau de la batterie. Ici, je vais taper il te reste. Donc, il faut bien mettre le il te reste avant niveau de la batterie. Et ensuite, vous allez vous mettre à la fin de cette phrase. Et vous allez taper le sigle pourcentage. Caractère. Mot. Niveau de la batterie. Pièce jointe. Donc là, on est au bout.
on va faire nombre. Nombre. Symbole. Symbole et on cherche. Et on cherche le pourcentage. Pourcent. Pourcent. Une fois que vous avez tapé ceci, vous allez complètement en haut à droite sur le bouton. Suivant. Bouton. Suivant. Champ de texte. Ici, on arrive sur cette fenêtre. On vous demande de nommer votre raccourci. Ici, on va le marquer par exemple. Niveau de la batterie. Insertion de niveau de la batterie. Une fois que vous avez nommé votre raccourci, ça c'est par rapport à Siri, vous allez complètement en haut à droite sur. Ok. Bouton. Ok. Raccourci. Votre raccourci est terminé. Mais ici, si on l'exécute. Niveau de la batterie, deux actions. Il te reste 64%. Raccourci terminé. Vous avez vu ? Génial ! Qu'est-ce que vous pensez d'un tel raccourci, les amis ? Dites-moi ça en commentaire, likez-moi cette vidéo et surtout, partagez-la à vos amis si vous voulez avoir le tap-tap batterie derrière votre iPhone. Tap-tap batterie, c'est sur Vision Hightech. Je vous donne des astuces accessibles, bien sûr, à tous. Maintenant que vous avez fait ceci, on va se rendre justement, ça tombe bien, dans accessibilité. Donc, nous nous rendons sur réglage. Réglage. Accessibilité. Bouton. On rentre dans accessibilité. Ici, on va chercher toucher. Toucher. Une fois que vous êtes entré dans toucher, vous allez tout en bas. Vous allez chercher toucher le dos de l'appareil. Oui. Bouton. Toucher le dos de l'appareil. Oui. Toucher le dos de l'appareil que l'on va lire tout de suite. Alors là, c'est vous qui le faites au choix. Soit vous le faites en double tap, soit vous le faites en triple tap. Je rentre à l'intérieur. Là, vous remontez votre page puisque votre raccourci, vous l'avez marqué niveau de la batterie. C'est par ordre alphabétique. Donc vous remontez. Niveau de la batterie. Voilà mon raccourci que je vais cocher tout de suite. Sélectionné. Le travail est fait, les amis. Vous êtes des champions. Vous êtes créé votre propre raccourci pour ne plus jamais avoir de problème de batterie ou de panne de batterie dans la journée. Sans vous servir de VoiceOver, sans vous servir de Siri, vous serez tout le temps en faisant un double tap. Il te reste 63%. Fermez le menu contexte. Ça, c'est super cool puisque maintenant le double tap. Il te reste 63%. Niveau de la batterie. Te donnera le niveau de ta batterie. Touchez deux fois l'écran rapide. Mais pas que, puisque avec cette astuce, tu peux en faire tant et plus. Regarde si je mets en fait le raccourci en double tap ou en triple tap pour savoir où suis-je. Je te montre ça tout de suite. Où suis-je ? J'ai donc créé un raccourci spécial où suis-je en triple tap. Sélectionné. Où suis-je ? C'est fermeture de ré. Et maintenant, si je fais un triple tap dans le dos de mon iPhone, et là, il va me dire exactement où je me trouve. Je compte sur vous pour les likes, les amis. Je compte sur vous pour les commentaires. Voilà donc, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie jusqu'au bout. N'hésitez pas donc à la partager. Je vous dis donc un énorme merci pour tout votre soutien. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur Vision Hightech. Portez-vous bien, bisous à tous. Je vous embrasse et à très vite pour une prochaine. Salut à tous.